Yo tout le monde, c'est Aynur. Aujourd'hui, on se retrouve sur le déballage de l'Apple Watch Series 6 en version Blue Aluminium Case. Donc, j'ai pris en bleu parce que j'ai un iPhone du coup en bleu. Donc, voilà, j'ai voulu le prendre en bleu. Donc, hop, un petit peu de ASMR. Ok, donc une boîte qui change par rapport à la 3, hein, donc je passe de la 3 à la 6. La 6 vaut 429 euros à partir, donc voici la différence de taille. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, il y a quand même une grosse épaisseur de taille hein, en plus. Là c'est pareil, alors, voilà, donc là vraiment différence. L'ancienne s'ouvre comme ceci, par le haut, voilà, la petite notice. Et la nouvelle s'ouvre apparemment par les côtés. Hop. Alors, j'ai peur, je sais pas trop. Oh, voilà, ok. J'ai failli déchirer les trucs, j'ai pas fait de re-regarder. Hop, hop, ok. Donc la petite boîte et le petit bracelet. Donc voilà, j'ai pris en couleur bleue, donc on va voir ça après. Donc de bleu comme ceci, et le côté bleu aussi. Ça me servait à rien de prendre une couleur classique gris sidéral ou autre. Le bleu est très joli, donc j'ai voulu prendre le bleu. En prenant en compte que je l'ai jamais vu en vrai, j'ai vu uniquement en vidéo, j'ai vu uniquement en photo, mais pas en vrai à cause du Covid et puis du confinement et du couvre-feu. C'est très compliqué de pouvoir prendre le temps après le boulot pour aller le voir. Alors, ok. Donc elle est là sous une petite protection plastique en bleu. Les petites notices. Rien de bien méchant, le petit chargeur vraiment pas mal du tout, enfin comme l'autre hein, de toute façon, et je crois qu'il se branche en USB type C, je sais plus. Alors regardez, la montre, avec sa petite protection, waouh. Donc j'ai pris oui en 40 mm, pas besoin de plus, hein, donc pour moi le 40 mm fera très bien l'affaire. J'avais une 38, donc voilà, je voulais pas une très grosse non plus. Et puis là, apparemment, ça n'a pas l'air de beaucoup changer. Hein. Le 48, enfin le 40 et puis le 38, n'a pas l'air d'avoir énormément de différence. Par contre, l'ouverture, je sais pas si ça se déchire réellement. Hein. Il me semble que sur la série 5, voire la 4, c'était plus de la mousse. C'était plus de la mousse que là. Non, ça a l'air d'être plutôt du plastique. Donc galère avec l'ouverture. Ça me fait un peu cric. Bon, je ferai une coupure. On va regarder du coup le bracelet en 40 mm. La petite ouverture, le petit clip ici. Hop. Ok. On va mettre ça de côté. Donc voilà, j'ai mon petit plaisir. Enfin, mon petit plaisir. On m'a offert ce petit plaisir de la montre. Hein. Donc voilà. Hop. La petite notice, enfin leur petit papier. Ok, puis là en deux tailles, donc vraiment très léger. Je vais du coup, voilà à quoi ressemblait mon ancienne. En alu, enfin ouais, en aluminium, 42 mm. Ah, j'avais pris 42 mm? Non. J'avais pris la plus grosse. Ah ouais, ouais. J'avais pris quand même la plus grosse, je crois, un 42 mm pour la série 3 apparemment. Et puis un petit bracelet, bon, pas fourni, pas l'officiel. L'officiel était gris, celui-ci est noir. Donc voilà, je pensais qu'en noir c'était un peu plus joli, puis ça a l'air d'être pas mal. Et puis voilà, les bracelets. Après là, je ne sais pas, mais du coup, il y aura celui-là là-dessus. Donc en couleur bleue aussi. Donc celui-ci, ça va être sûr. Est-ce qu'il est pareil que les noms officiels? Ouais, il est un peu plus gros, un peu plus épais. Ouais, ça a l'air d'être à peu près pareil, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, ouais, un peu plus épais le trou, là c'est pareil, un peu plus gros, mais ça a l'air d'être à peu près pareil. Pas énormément de différence. Après pour le bracelet là, je prendrai le petit, il fera l'affaire apparemment. Donc voilà, pour ce petit, après, oh, c'est vrai que c'est pas le même plastique, je sais pas, c'est... Je dirais pas que c'est désagréable, je dirais pas non plus que c'est agréable non plus, mais c'est vraiment pas trop mal. Donc je vais faire une petite coupure pour le déballage de la montre, voir réellement comment que ça s'ouvre. Ok, donc bon, apparemment ça, on peut le pousser, ce qui est du coup très compliqué. Hop, voilà.
Low batterie, donc ouais, bon, ça c'était sûr. Donc voilà. Ah ouais, là c'est en sombre, 40 mm par rapport à une 42, ouais, je sais pas, mais après voilà, le prix fait que, donc plein de capteurs, donc on peut voir la différence de capteurs. Déjà, il y en a 4 en format carré par rapport à l'autre que c'était 4 en format un peu losange, plus après 4 autres différents, donc ouais, vraiment pas mal. Je sais pas si c'est une. Non, ça n'a pas l'air d'être une protection. Donc l'eau batterie. Donc. Ah ouais. À voir quand ce sera allumé. Il va falloir du coup que je la charge, malheureusement. C'est les aléas de. Ça fait un moment que je l'ai. Et ça fait un moment que. Hop. Mince. Bon, bah, je vais la charger et puis on se retrouve de suite. Donc voilà, malheureusement pour la configurer, je suis obligé de passer sur l'iPad, de filmer avec l'iPad. Donc elle n'avait plus de batterie, j'étais obligé de la brancher. Donc France, changement de la langue, pour avoir du coup mon téléphone aussi accessible pour faire le reste. Donc il me faut mon téléphone, l'application Watch, ouvrir l'application Watch sur l'iPhone pour commencer à jumeler. Donc jumeler. Oui, toutes mes montres, ajouter une Apple Watch. Alors, configurer pour moi-même. Oh, scan. Voilà. Apple Watch jumelé. Configurer l'Apple Watch. À quel poignet portez-vous l'Apple Watch? Donc, sur le côté gauche. Connexion à votre Apple Watch, cela peut prendre du temps. Bah, pas de problème, on va attendre. Alors. Ok, donc voici les conditions générales. Donc oui, de toute façon personne les lit. Et le jour où on a des problèmes, et bah, on a des problèmes. Connexion à votre compte. On ajoute un petit peu de luminosité comme ceci. Donc voilà, suivi des parcours exercices, activez le suivi de parcours. Utilisez votre localisation pour enregistrer vos parcours, la météo locale lors de vos exercices en plein air. Donc non, analyser la partage, non, réglage partagé. Pour le service de localisation, localiser. Alors, texte en gros, alors en gras, non, c'est très bien comme ça. Le code de l'Apple Watch, donc je le vais le créer. Si jamais je ne porte pas du coup le bracelet, alors, enfin l'Apple Watch à mon bras. Ah oui, l'écran déjà ça change, là on voit vraiment que c'est bord à bord. Hop, oxygène sanguin, vous pouvez utiliser l'oxygène sanguin. Donc oui, c'est une principe. Pour ça aussi que je l'ai pris. Donc là un petit flou, continuer. On le fera plus tard. Alors l'appel d'urgence, donc continuer. Cadran, oui, aussi pour ça que je voulais, c'était pour le cadran. Certains apps de votre fonctionnent avec votre Apple Watch, vous pouvez toutes les installer maintenant ou choisir celle. Choisir plus tard, synchronisation de l'Apple Watch. Donc c'est aussi pour ça, du coup, pour le capteur d'oxygène que j'ai pris cet Apple Watch, enfin le capteur d'oxygène, tous les nouveaux capteurs par rapport à la série 3 qui était du coup très vieux. Donc voilà, pour les capteurs, pour les nouveaux cadrans, pour la du coup la nouveauté, pour du coup l'écran bord à bord, pour le bleu, la couleur bleue. Puis après je pense que c'est tout pour la batterie du coup plus récente, enfin plus grosse théoriquement autonomie, batterie plus récente, enfin voilà quoi, parce que sinon c'est très. L'Apple Watch série 3 d'ailleurs est très bien, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je recommande toujours l'Apple Watch série 3 qui fonctionne toujours aussi bien, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Après bon voilà, faut aimer un petit peu la vieillesse quoi, hein. C'est très vieux, c'est le watchOS est très bon encore, hein, vu que il est toujours mis à jour, hein, mais c'est très vieux niveau design, niveau capteur, tout ça c'est vieux. Donc voilà, synchronisation de l'Apple Watch, votre Apple Watch est presque prêt, vous pouvez, lorsque la synchronisation est terminée, notamment, vous pouvez utiliser votre iPhone normalement. Ouais, bon. Donc du coup, l'écran. Toucher pour sélectionner, balayer pour faire
Maintenant, enfoncé pour changer les cadrans. Hop. Ok, ça. Digital Crow, appuyez fort pour revenir au cadran. Ok. Maintenir enfoncé, ouais, c'est la même chose. Tourner la couronne pour faire défiler. Zoomer pour ajuster l'écran. Ok. Le bouton latéral pour afficher le doc. Deux fois pour appel P. Ok. La fiche médicale. Éteindre et maintenir. Ok. Donc là, l'Apple Watch m'a dit que c'était presque bon. Hop. Ok, moi je suis désolé si du coup il y a réellement une coupure, vu que ça me l'a proposé du coup sur le téléphone plus sur l'iPad pour me dire qu'un nouveau appareil pourrait lire mes messages et mes appels. Hop, donc on va attendre. Donc voilà, enfin c'est terminé. Donc bienvenue sur Apple Watch, modifie les réglages, optimiser pas cadran. Donc voilà, j'ai mes deux Apple Watch du coup, mon Apple Watch de 40 mm et mon Apple Watch de 42 mm. Alors. C'est quoi ça? Ok. Ok, donc j'ai le nouveau cadran. On voit que ça s'actualise un petit peu. C'est bon. Mes montres, par contre, moi je veux que ce soit celle-ci par défaut. Je sais pas comment je peux faire. Bon, du coup, on voit qu'elle en charge. On voit les pourcentages. Enfin, on voit la température, du moins ici. Donc moins 5. Ça, c'est du coup l'activité. Ça, c'est mon code parce que j'ai pas au bras. On voit la petite trotteuse, c'est vraiment pas mal. Donc après, est-ce que je peux avoir du coup plus d'infos là-dessus? Ok. Non, ça me dit pas. Je peux pas. Je peux pas. Attendez. Changement automatique. Ok, mettez l'Apple Watch, levez le poignet. Ok. Donc du coup, général, je pense. Ou peut-être cadran. Parce que là, non, bah là, il est sur l'autre en priorité. L'autre. Donc je ne pourrais pas, je vais la mettre à mon bras, je vais mettre d'ailleurs les deux au bras, hop, comme ça on pourra voir, et puis je pourrais ressentir aussi la sensation de la montre sur mon bras. Ok, bah déjà le bracelet, ouais, c'est peut-être parce qu'il est tout neuf, mais c'est spécial quand même. Ok, donc là vu que j'ai mis sur mon bras, il a détecté du coup le changement automatique, comme convenu. Hop, j'ai mis le petit code. Ok. Ouais, le bracelet il est pas fan, mais on voit que c'est un de Apple, je suis pas très fan. Donc voici la montre du coup. Là maintenant, hop, j'ai switché du coup dessus, c'est ça. Je peux voir du coup mes cadrans, donc voilà, plus de choix par rapport à l'autre, les mémojis, le GMT. Il y en avait un qui me plaisait pas, enfin, qui me plaisait bien, je crois que c'est le. Je sais plus c'est lequel, ça va peut-être celui-là, le chronométrie. Animation artiste, astronomie, Californie, chiffre audio, chronographe, non, chronographe pro, je crois que c'est, voilà, c'est ça, c'est le chronométrie ou le chronographe pro, je sais plus, c'est un des deux. Je crois que c'est celui-là, là. Avec des couleurs un peu plus classe. Donc voilà, les feux, voilà, c'est l'infographe au final, non, c'est l'infographe que je voulais. Plein de couleurs. Hop, vraiment pas trop, vraiment bien le méridien aussi. Bah, même là, le fond il est encore pas trop mal. Là, du coup, je sais pas si vous verrez, mais du coup, il est sombre. Hop, je tourne le poignet, elle devient un peu plus claire. Je ne vois plus du coup la trotteuse. Regardez, on voit plus la trotteuse. Et si, hop, si je désactive, on voit la trotteuse. Du coup, ouais, elle a un peu plus de trucs. Je suis pas sûr qu'il installe la mise d'application par défaut. La fréquence cardiaque, on va voir. Ah, il aurait fallu que je mette l'autre aussi pour voir ce que ça donne du coup réellement, 72. Voir si les deux sont à peu près kiff-kiff. Voir du coup un 42 mm et puis un 40. Voir ce que ça donne. Ok. Je le déverrouille aussi. Fréquence cardiaque, comme ça on pourra voir les deux, ce qu'il dit. Donc oui, au niveau de l'écran, si on voit quand même que c'est plus petit. Que c'est plus petit, du coup après c'est bord à bord, oui, à peu près kiff kiff. 82, 77. Ouais, 80, oui, c'est à peu près. Il a l'air de bouger un peu plus rapidement celui-ci. Fonction de mes battements par minute et autres. Il a l'air d'être un peu plus réactif. Je voudrais du coup aussi tester.
Ah, le bouton, ouais, c'est pas pareil non plus. Il est plus. Bon, après, le mien, c'est peut-être à cause de l'usure. Ça, c'est quoi? L'Apple Watch peut mesurer les niveaux sonores. Ah, ouais, on sent le. Le. Comment. Les, des vibrations, on dirait, au niveau du truc. Mi mesure, voilà. 58, ok. Ça, c'est vraiment pas mal. L'autre ne l'a pas. J'étais obligé d'avoir une application diverse. Ce qui est du coup pas fameux du tout. Ça, c'est quoi? Voilà, l'oxygène sanguin suivant. Assurez-vous que l'Apple Watch n'est pas trop proche de votre main. Votre bracelet doit être bien ajusté sans trop serrer. Suivant. Remontez vers le haut. Essayez de ne pas bouger. Il est conseillé de poser votre poignet sur une table. Ok. Donc, on va faire démarrer. On va voir ce que ça donne. Il y en a une des deux qui me sert beaucoup par rapport à l'autre. Et du coup, j'ai l'impression que. Mais je sais pas laquelle est laquelle. Oxygénation du sang, 97%. Donc peut-être être trop serré, je ne sais pas ce que c'est qui. Ouais, c'est. La sensation est. Ouais, il y en a une qui me sert trop. Même, ça devient même désagréable. Ok, pour l'oxygénation du sang. Et puis l'autre, c'est quoi ça? Ça, bah, ça c'est la boussole du coup. Bon, ça, on va pas le mettre pour ma géolocalisation. Ça, c'est quoi? Pour configurer le EEG, ouvrir l'absenté de OK sur l'iPhone. Ok. Ça m'a l'air d'être pas mal. J'ai encore quelques applications du coup à remettre dessus. Mais sinon, ça m'a l'air d'être pas trop mal. J'aime déjà bien le. Allez, verrouille-toi. J'aime bien le système, ouais. C'est vraiment pas mal du tout. Franchement, voilà, je suis pas déçu du coup de cette petite Apple Watch qui est du coup plus petite. Faudra peut-être que je la desserre aussi. Ouais, faudrait que je pense que je la desserre. Mais vraiment pas mal. Le petit écran et tout ça, ça fait vraiment bord à bord. Ça fait vraiment pas mal. Je regardais juste vite fait les messages. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Ok, normalement j'aime bien, ça me plaît bien. Je suis content de cet achat, ça change vraiment beaucoup. Et c'est du coup plus agréable et sympathique à regarder. Vendredi 12, ok. Ça c'est, je ne sais pas, la présentation qui est de la météo. Ça c'est l'activité, et puis ça c'est la météo. Donc ok, non, franchement pas mal, il faudrait que je regarde du coup. Ok, 34% de batterie. Allez. Hop. Et l'autre 97 normal, les connecter au Wi-Fi, ok. Ok. Ouais, non, vraiment pas mal. Après avoir dans la nuit ce que ça donne, si ça dérange réellement ou pas. Mode active, ok. iPhone sonne, ok. Bon, ça marche bien, normal. Ok. Non, ben vraiment pas mal. On va s'amuser à configurer tout ça, virer les trucs un peu inutiles et puis. Si jamais vous avez des questions sur l'Apple Watch, n'hésitez pas à me les poser. Et puis je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo.